Pour comprendre pourquoi nous avons besoin de trianguler un modèle polygonal, penchons-nous sur cet exemple. Les arêtes du polygone divisent le plan en colonnes et en lignes. La conversion du plan en triangle révèle un nouvel ensemble d'arêtes. Les arêtes de ce plan constituent des axes qui peuvent être utilisés pour le pliage d'une animation. Cette tête polygonale a des divisions quadratiques similaires à celles du plan polygonal. Nous voyons que les arêtes du modèle suivent la direction générale du tissu musculaire de l'homme. L'animation de l'ouverture et de la fermeture de la bouche nous montre la déformation des polygones. Penchons-nous sur ce que voit le moteur de rendu. La conversion du modèle en triangle révèle des arêtes cachées utilisées par le moteur de rendu. Ces arêtes ne semblent pas suivre la flexion musculaire d'origine, ce qui peut conduire à des problèmes d'animation. Lorsque l'on anime le rendu de la bouche, nous voyons le mouvement des arêtes. Ceci est le résultat du moteur de rendu qui essaie d'optimiser l'animation. Cela conduit à des erreurs ou à des anomalies visuelles. En transformant le modèle manuellement en triangle et en ajustant la direction des arêtes, on obtient ce résultat. Nous pouvons voir maintenant que la plupart des arêtes suivent le sens des tissus musculaires humains. Cette conversion et la correction qui a suivi donnent à l'animateur une meilleure compréhension de comment et où le modèle se déforme. L'animation du modèle se présente de façon beaucoup plus organique. Nous voyons une meilleure déformation générale conforme au-dessus des muscles. J'espère que cet exemple contribue à comprendre pourquoi nous devons convertir des modèles polygonaux en triangles. Merci.